Salut tout le monde, c'est Majemo pour le walkthrough commenté de Assassin's Creed Brotherhood. Donc on va aller voir ce fameux sénateur pour aller lui apporter l'argent et ainsi rencontrer le banquier qui est notre cible de cette séquence. Alors ouais, on fera la dernière machine de Léonard de Vinci plus tard. Pour l'instant je vais vraiment m'occuper de ça. Alors je crois que le soleil se lève là. Ou il se couche, je sais pas, mais il a plutôt l'air de se lever, d'après ce que je vois. Et on va prendre un petit raccourci. Hop là. Comme ça, on arrive directement à destination. Ouais, le sénateur est là. Et ah, j'ai pas les 3000 florins, zut. Ben, j'étais persuadé d'avoir les 3000 florins. C'est que maintenant que je regarde ça, moi, évidemment, bien sûr. Coucou les gens, comment allez-vous aujourd'hui? Ça va? Moi aussi, ça va très bien. Ça va, vous? Très bien, parfait. Bonjour, moi aussi. Coucou les gens, ça va? Voilà, très bien. On se retrouve plus tard. Ouais, j'attends que les assassins me ramènent un petit peu d'argent des démissions, quoi, je sais pas. On va aller... Ah, ici, il y a une banque. Ouais, mais si je la rénove, je vais perdre mon argent de la rénovation. Je crois que le banquier, ce sera pas pour aujourd'hui, hein, si ça continue. Ah, 1000 florins, 1440 florins dépensés. On va voir si, à mon avis, je vais pas. On va voir si j'ai assez ou pas. Enfin, si c'est le moment de récupérer ou pas. Donc on lui parle. Seulement 5 mangas. 0 quoi, ouais, forcément, il y a 0 dans le coffre. Bon bah ok, non, faut attendre le lendemain quoi. C'est énervant ça. Et il y a Léonard de Vinci qui est là-bas sur un banc. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'aime bien la nouvelle musique depuis cette séquence, la musique change et c'est vraiment super agréable. Voilà. On va aller dans la tour Borgia qui est devenue tour d'assassin ici pour s'occuper de la guilde. C'est où? L'entrée, elle est là. Normalement. Voilà. Et on va augmenter nos assassins. On va commencer avec lui. Un point d'armure. Toi aussi, un point d'armure. Il y en avait un bout que j'ai loupé. Hein. Là, voilà. Bon, le dernier n'a pas progressé du tout. Et toi, voilà. Ah, allez, ça commence à être intéressant là. Donc on va les envoyer en mission. J'en aurais besoin, mais je vais en envoyer en mission quand même. Oh, c'est dur cette mission là. C'est dur pour vous ça. Non, niveau 5, ça ira. Voilà. Un petit niveau 1 pour le petit niveau 1. On va faire un truc pas trop dur pour lui. Voilà. Les autres, je les garde sous la main. Je risque d'en avoir besoin. Et donc là, 5920 florins, en fait, voilà, fallait passer pour récupérer l'argent. Bon, allez, maintenant, on va voir le banquier. Allez, c'est parti. J'ai pas envie de perdre plus de temps que ça. Le banquier. C'est pas le banquier qu'on va voir, c'est le sénateur. Voilà. Super le lag. J'ai jamais eu ça. Hein, les gens qui parlent à vous, mais tout le monde s'en fiche de ces dialogues, on les écoute pas, mais c'est vrai que ça rajoute de la crédibilité. Ouais, non, mais fallait descendre juste là, en fait, j'ai fait n'importe quoi. Voilà. Ouais, c'est bon, j'ai quasiment 6000 florins, ça devrait faire l'affaire. Je n'arrive toujours pas à croire que tu aies tenu parole. Il y a une condition. Je le savais. Gardez un œil sur ce qui se passe dans cette cité. Allez voir Maria à la Rose Fleurie et communiquez-lui les noms des complices des Borgia. Et ensuite, tu les feras disparaître. Ce pezzo di merda me déteste. Mais il reste mon frère. Va bene, allons-y. Je vous suivrai jusqu'au banquier. Poursuite d'intérêt. Alors, suivez les sénateurs jusqu'à ce qu'ils remettent l'argent au banquier. Et là, il y a une double synchro totale. C'est de ne pas se faire repérer et de ne pas toucher le sol. Donc, ça veut dire qu'on va devoir grimper sur les toits. Et en plus, bah, ne pas se faire repérer. Il y a un coffre ici. Bon, je sais pas pourquoi il y a un deuxième coffre ici. Maintenant, enfoncé pour fouiller. Ah, mais c'est un coffre, il est en hauteur et tout. 20 florins, l'arnaque totale. Donc voilà, donc il va falloir, bon, je vais monter dès maintenant pour arriver directement en hauteur sur la mission de... Sur l'endroit où on va exprimer la conversation. Donc on va le retrouver, il avait rendez-vous quelque part pour apporter l'argent. Et donc là, on va voir ce qui se passe.
Donc c'est vraiment intéressant de ne pas être seul. J'espère que j'ai des cœurs d'arbalète. J'en ai 20, c'est parfait. C'est exactement ce qu'il me fallait pour pouvoir réaliser cette mission. Sans problème. Ah, il y a un drapeau ici. Alors on va aller le prendre. Donc là, ça va être la maison de l'ambassadeur, je suppose, parce que c'est lui qui devait. Enfin, c'est lui qui l'avait dénoncé. Enfin, j'ai pas très bien compris les histoires, mais bon, en tout cas, c'est à cause de l'ambassadeur qui est son frère qui a tous ses problèmes. Ah, Egidio, te voilà donc prêt à mourir en gentilhomme? J'ai l'argent! Eh bien, voilà qui change tout. Le banquier sera ravi de la prendre. Tu es venu seul? Eh, hey, tu vois quelqu'un d'autre ici? Suis-moi, Furbacchione. Est-ce que tu as eu des nouvelles de mon frère Francesco? Cesare s'occupe de lui. J'espère qu'il va bien. Alors, qu'est-ce que vous allez faire avec tout cet argent? Le banquier est plein de prévenances pour ses amis. Quel homme généreux. Quoi? Que dis-tu? Non, rien. J'écoute tout à l'heure parce que c'est assez intéressant d'écouter. Puis en même temps, il y a tellement une bonne ambiance lors de ces missions que je préfère me taire et profiter pleinement du gameplay. Bon, là, ils disent pas grand chose en même temps. Donc, ils tournent là. Hein. Ok, je vais aller là-bas. Voilà. Bon, là, ils parlent plus du tout. Ok. On va vérifier s'il n'y a pas de garde dans les environs, non, ça a l'air d'aller. C'est vrai que là je vais utiliser quasiment que l'arbalète je pense, hein, si je veux être sûr d'avoir la synchro totale. C'est vraiment mieux de rester avec l'arbalète. D'ailleurs il y a un garde juste là. Voilà, il est là. Vous voyez. Tout de suite, là faut agir très vite avec eux, c'est vrai que c'est pas facile. Non, moi je pensais qu'il y avait un dialogue, mais en fait non, ils se parlent juste au début, mais ça se trouve ils vont reprendre à parler parce que les dialogues sont scriptés. Hein. Ils parlent à un endroit précis au fait de leur trajet. J'ai l'impression qu'ils se sont arrêtés là. C'est pour vérifier s'ils ne sont pas suivis. Mais bon, comme on les suit sur les toits, a priori, il n'y a pas de problème. C'est vrai que les filatures, c'est quand même beaucoup plus intéressant sur les toits. Mais je dois avouer que quand on est par terre et qu'on se dissimule dans la foule, c'est très intéressant aussi. Voilà. C'est sûr que ce serait... Enfin voilà, s'il y avait plus de gardes sur les toits, ça forcerait plus le joueur peut-être à rester au milieu de la... à se dissimuler vraiment dans la foule. C'était quand même un des gros points forts de l'assassin. Enfin, c'est vraiment de... La discrétion sociale... L'assassinat et le parcours, en gros, l'acrobatie sur les toits sont vraiment les points forts de la série. Ce sont vraiment les trois piliers de l'assassin. Et donc là, dans Brotherhood, c'est vrai qu'on profite pas mal des trois, mais... Ouais, j'ai perpétué, je sais qu'ils sont là. Ne m'inquiétez pas. Là, je garde la bête, alors faut pas sauter, hein. Voilà. Donc la musique, hein, je sais pas si c'est la combien de fois que je le dis, mais c'est Countdown. On voit le Panthéon là-bas. Et d'ailleurs, ils font un trajet entièrement absurde si on regarde bien, parce qu'en fait, ils se dirigent vers le Panthéon. Mais on est venu de là-bas, et enfin, ils font un tour, enfin, ils font un trajet assez bizarre, j'ai l'impression. Alors, toi. Alors, c'est qu'on pourrait utiliser. Alors, avec les assassins. Il faut faire gaffe parfois, hein. Mais en fait, lorsqu'il y a marqué ne tuer personne par exemple, il faut savoir que si on tue en faisant un volet de flèche, ça compte comme ayant vous tué des gens. Alors que si vous faites juste une seule fois L2, enfin la gâchette gauche en tout cas, pour appeler les assassins, bah ça compte, c'est, vous les avez pas tués quoi, c'est les assassins qui ont tué. Par contre, volet de flèche, bah c'est directement comme si c'était vous qui l'avez tué. Mais là, ça ne nous concerne pas, puisqu'on a le droit de tuer, seulement on doit pas se faire repérer. Voilà, ils me tournent le dos, donc à chaque fois c'est super simple. Voilà, ils sont là. Ah. Caca, boudin. Gros caca. Voilà. On va pas sauter, parce que ça ferait... Bah aussi, dans tous les cas, j'ai foiré la synchro. Bon, ok, voilà, j'ai trop raté. On va rester là. Bon. Approchez-vous de la cible. Mais ils sont marrants. Egidio a apporté l'argent. Bien, bien. Le banquier organise une petite soirée. Je vais lui remettre ce versement.
Donne-moi ça. Saisissez-le, je reviens. Je ferais mieux de garder un œil sur cet argent. Voilà. Là, on doit s'entraîner dans le Panthéon en passant par toi. Donc, à partir de maintenant, bon, la synchro totale, je l'ai foiré. Ça, c'est fait. Comme ça. D'une manière, mais tellement bête quand on y réfléchit en plus. À quelle sauce je vais te bouffer, toi? Oui, c'est les gardes avec les fusils. C'est toi qui m'as grillé tout à l'heure, hein. Enfin, c'est un garde comme toi. Du même archétype. Allez. On continue. Donc, je vais essayer de bien monter sur toi cette fois. On s'est souvenu que c'était assez laborieux, hein. Voilà. Donc, de toute façon, je suis obligé de descendre pour pouvoir remonter, je crois. Bon, je reste ici tant que je peux. Donc là, vous voyez que ça y est, le soleil se couche. Comme j'avais dit, c'est pour ça que le banquier organise une soirée, donc ça tombe bien, parce que le soleil se couche. Donc c'est pour ça que je voulais commencer la mission en plein jour, mais juste avant la soirée, de manière à ce que ça colle bien au script, en fait. Voilà, c'est par là qu'il faut monter, donc... Ah, c'est bon. Donc j'ai mes assassins avec moi, ça peut aider. Voilà. J'ai pas fait la même chose la dernière fois. Je crois que j'ai fait la même chose la dernière fois. Hein. Je suis quasiment sûr. Bon. En même temps, je suis obligé de faire ça. Voilà, je suis obligé de faire un truc moche, mais en même temps, si c'est la seule solution pour qu'il se... pour qu'il ne se casse pas la figure, bah, je le fais, quoi. Bon, et ensuite, je grimpe par là, normalement. Ok. Non, faut monter par le milieu. J'adore cette musique. Ce passage de la musique est franchement super sympa. Enfin, il dégage une émotion. C'est des notes super simples. Et ce passage de la musique est vraiment trop trop beau. Donc là, l'idée est exceptionnelle. Après, c'est vrai que j'en avais parlé, cette mission, je l'ai trouvé un peu incohérente, quoi. La façon d'être géodécent, c'est un peu n'importe quoi. Mais sinon, l'idée de base de la mission, moi, j'aime beaucoup, hein, cette... arriver par le toit du Panthéon pour tuer les gardes, c'est franchement sympa. Enfin, le toit, c'est même pas le toit, vu qu'il n'y en a pas. Le but, le principe, c'est qu'il y a un trou. Voilà. Allez, mais je fais rond depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que c'était joli ce que j'ai fait. Bon, non, mais je sais pas pourquoi il s'est pas accroché. Encore une fois, c'est pas de ma faute. Voilà, j'étais censé faire un beau aérien. Bon, je vais venir le tuer par derrière. C'est dur comme jeu, vous voyez. Voilà, c'était pas très dur, hein, mais bon. J'ai raté. Et le trésor, le coffre a disparu. Parce que vous allez voir, là, on enchaîne directement la mémoire suivante. Est-ce que tout se passe bien là-dedans? Il faut y aller! Luigi, on est en retard! Alors, le compte est bon? Va bene. Tuez-le! Non! T'as de la chance. Luigi a décidé de t'épargner. Après vous, je vous en prie. Bon, c'était à Rome. Oh, comme c'est joli, comme on déguisait en porteur du coffre, qu'on disait les gardes jusqu'au banquet. Et donc, on est arrivé en moins de 3 minutes. Yeah. Donc, on a pris la place de l'homme important, hein, celui qui était censé remettre l'argent. C'est un capitaine. Et donc, ça va être chaud d'arriver dans les temps. Alors, disons que grâce à mes talents de vision d'aigle, je sais que la fête se déroule à peu près ici. Attendez, que je dis pas de bêtises. On va dire que la fête se déroule à peu près là, hein. Bon, au pif. Donc je vais essayer d'y aller. Mais après, c'est vrai que parfois, le but, c'est d'y aller et de faire croire qu'on sait par où c'est, en fait. Ça, c'est la bonne direction. Voilà. Nous y serons bientôt. Bon, on peut pas marcher vite, par contre. J'espère qu'ils vont nous laisser entrer cette fois. Vous voyez qu'il y a un niveau de suspicion qui augmente lorsqu'on se trompe de chemin. En fait, on voilà, nous sommes dans les temps. Donc, tant qu'il dit des choses positives, ça va. S'il dit sans vouloir vous offenser,
nous devrions accélérer le pas. Accélérer le pas, moi je veux bien, mais bon. Quel plaisir de visiter la ville. Nous devrions aller dans le... Tiens, le banquier habite par là maintenant. Mais non. Sens de leur... Sans vouloir vous offenser. Ok, c'est pas par là, apparemment. Nous devrions accélérer le pas. Donc il veut qu'on aille par là, ça veut dire. C'est le bon chemin. Enfin là, c'est des subtilités. Je vous ai voir, vous avez vu, c'est ridicule, quoi. Je vais par le bon chemin, mais... Il y a un chemin scripté. C'est débile, regardez, je retourne vers le Panthéon, là. Voilà, nous sommes dans les temps. C'est ridicule. Alors maintenant, c'est par où? Ça, c'est la bonne direction. Ouais. Le chemin que vous empruntez est original. Voilà, nous sommes dans les temps. C'est ridicule, bon, allez. On y va. Théoriquement, c'est tout droit. Enfin, le but, c'est d'aller au pont, en fait. Je vais mettre le point sur le pont. Parce qu'en fait, ce qu'il faut, ce qu'on veut, c'est vraiment aller au pont, en fait, d'ailleurs, déjà. Voilà. J'espère qu'ils vont nous laisser entrer. Maintenant, c'est où on veut, hein, mais... Notre mission sera bientôt terminée. J'espère que c'est bon, ça. Un peu 3 minutes, c'est assez court, quand même, quand on y pense. Voilà. Nous sommes dans les temps. Checkpoint atteint. C'est le bon chemin. C'est assez stressant, mais bon, après, voilà, faut aimer, c'est vrai que c'est le type de mission. Je les déteste plus que tout au monde. Ouais, on se fait détester évidemment par les villageois. J'espère qu'ils vont nous laisser entrer. Je suis prêt à parier qu'il a perdu son chemin. Oh, ils veulent pas qu'on aille par là. Bon, ok, on va aller par là. Ça, c'est la bonne direction. Voilà, par là on peut pas passer, donc on peut continuer. J'espère qu'ils vont. Excusez, je parle pas beaucoup, je suis vraiment pris dans le truc là. C'est. Mission sera je suis pas trop concentré, mais bon, après on me reproche de mal jouer, donc j'essaie de me concentrer quand même. C'est bon, c'est par là, on va pas me cracher dessus, non? Ok. Bientôt nous aurons rejoint les autres à la fête. Bon. Mais où est-ce qu'ils nous emmènent? C'est pas bien là? C'est bon là, non? Dans la mauvaise direction. Le chemin que vous empruntez est. Ah bah non, raté, vous voyez. Je n'aurais pas choisi le même, c'est le bon chemin. Ah, j'ai raté 3 minutes. Bon, c'est pas hyper facile, hein, vous voyez, parce qu'on peut que marcher. Ah non, on peut faire. Ah, j'avais oublié qu'on pouvait. Ok, bon, on pouvait courir. Je suis prêt à parier. Comme un débile, moi, j'ai pas vu qu'on pouvait courir. C'est le bon chemin. Bon, de toute façon, pour faire cette séquence à 5%, il faut pas. Le chemin que vous empruntez est... Il faut vraiment connaître le truc d'abord. Là, vous voyez, je connaissais la destination. C'est vrai que si j'avais couru dès le début, je l'aurais eu, hein, largement. Vous voyez que là, on est arrivé. Connerie, là. Bon, allez, c'est bon. Ponte Sisto. Je suis sûr que c'est là, bon, voilà. Non, je vais retirer le marqueur, parce que de toute façon, je sais même plus où c'est par là, donc... C'est quelque part par là tout droit. Donc on continue. De toute façon, on va y avoir une cinématique bientôt. Maintenant qu'on arrive dans ce nouveau quartier en fait. Alors qu'on change de quartier en fait. Notre mission sera bientôt terminée. On a toujours mon arbalète sur le dos, mais ça c'est pas grave. Toujours collègue de la super glue. Bien sûr. Nous y serons bientôt. Donne-moi le coffre, Luigi. Je vais l'apporter au banquier. Tu peux entrer. Hé, on peut pas les suivre? Vous retournez en patrouille. Ordre de Cesare. Porca puttana! Cesare? Ici? Luigi a été tué. On a retrouvé son corps au Panthéon. Luigi? Mais il vient d'entrer. Va et viens. Suivez l'argent jusqu'au banquier, tuez-le et échappez-vous. Donc voilà, donc les mecs, dès qu'ils ont un casque, ils pensent que tout le monde est pareil, donc ils vous ont pas reconnu. Dis à Claudia que le banquier est ici. Voilà. Et maintenant, on va devoir rentrer dans la fête sans se faire repérer, bien sûr. Enfin, on va les suivre en rentrant dans la fête, donc la courtisane. Donc on va enfin se servir à des courtisanes un petit peu comme dans Assassin's Creed 2. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on s'en était pas servi. Et donc là, on va assister à une scène qui va ravir... Les joueurs masculins, allez. Non, parce qu'en fait, ils font une espèce d'orgie romaine avec le banquier, c'est assez marrant. Donc là, je les suis avec les courtisanes. Hein. Donc là,
Avant c'est une filature sur les toits et maintenant c'est vraiment une filature au sol quoi. C'est vrai que c'est plus intéressant. Et en plus on va aller dans une zone non autorisée ici hein. Puisque là c'est la fête du banquier qui est donc si on n'avait pas dit Juan Borgia hein, le frère de César le frère ou le cousin. Ça va être le cousin lui. Ah attendez il va falloir attendez on va les envoyer elle ici. Bien, allez. Et je vais reprendre celle-là. Il faut réussir parce qu'en fait il y a un checkpoint là. Et après c'est assez embêtant, mais enfin bon. Donc je rentre avec elle, donc il y en a deux qui vont me séparer et j'en garde. Ah non c'est bon. C'est parfait, je suis rentré avec les quatre courtisanes, ça c'est bon. Donc là c'est on est dans la fête, vous voyez, c'est assez marrant là. C'est pas mal. Tiens, bonjour. Allez, mon mignon. Vous désirez de la compagnie. Donc voilà, j'adore ce jeu. J'adore ce jeu. Alors, comment on va faire ce machin comment on va faire ça je sais pas, c'est chiant parce que. Tiens, bonjour. Prenez de nouveaux porteurs en filature, d'accord, même si l'argent a changé de main. Il y a des gardes partout, c'est absolument horrible. Je ne suis encore jamais allé dans mais. Ok, mais d'accord. J'ai compris. En fait, cette mission est tout bonnement impossible. Même si j'ai dû la faire plein de fois parce que je l'adorais, j'arrive plus. Bien. Bon, je rappelle pour cette scène que le jeu est PEGI 18. Hein. Oh, pas mal, toi. Non, franchement, j'aime bien voir les filles. Par contre, les mecs, ça me dégoûte. Hein. Bonjour. Les mecs à poil, j'aime pas. J'aime pas trop. On les laisse avancer. Bien. Pour être sûr. Je ne suis encore jamais allé dans le poste TVR. Les ruines me donnent des. Voilà, donc ils avancent. Je tue ce garde. Je vous protégerai. Allez. C'est un joli coffre que vous avez. Mais pas à moi. Et les bras musclés qui le portent, ils sont à toi. Donc en fait, le dialogue qu'on entend, c'est la courtisane hein, qui suit le coffre tout simplement. Donc elle est avec nous quoi. Mais nous, tout ce qu'on veut, c'est vraiment atteindre le banquier quoi. Donc là, il faut se grouiller un minimum, hein, histoire de pas les perdre de vue. Mais là, ça me stresse avec le groupe de garde là-bas. Oh putain! Vous là-bas, attendez un instant. Bon, je l'assassine, voilà. Ça me fait flipper, mais bon. Donc les gens, ça les alerte pas du tout, non? Voilà, bon. On a passé ce gros truc de merde. Il n'y a pas des gens en poil là? Pas mal. J'aime ce jeu, je rigole. Eh, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle fait la biatch là? En fait, le banquier, franchement, il se met bien. Hein. Il n'y a pas à dire. Par contre, alors lui, il est dégueulasse. On l'a pas encore vu. Enfin, juste vu dans les images de la mémoire, mais. Voici votre argent. Donnez-moi ça. Et ceci. Vous pouvez disposer. Alors, mais où est passée ma bourse? Honoratissima. Bienvenue à ma réception. Je suis Juan Borgia. Cesare va parler dans la grande salle, et Eccellenza. Viens. Bon, les courtisanes jouent bien leur rôle comme d'habitude. Hein. Ah, donc nous, on va rentrer. Les courtisanes ont pris l'argent, c'est ça, c'est bien ça. Oh, non, j'en ai plus. Voilà. Les petits plaisirs de la vie rendent le pouvoir si gratifiant. J'aperçois une pomme. Je veux cueillir cette pomme. Et personne ne peut m'en empêcher. Oui, au moment qu'il s'agit de votre pomme. Tu n'as pas l'air de comprendre, ma petite. Tout ce que tu vois m'appartient. Pas moi. Tu te trompes. Je t'ai vu voler l'argent de mon garde. Tu vas devoir gracieusement payer de ta personne pour te faire pardonner. Et cette nuit, tu m'appartiendras. Oh, le vieux chantage de merde. Mais je dois gagner. Tu n'aurais pas une seule. C'est vraiment étrange. Une seule? Non. Mais j'ai une fille. Tu ne seras pas déçu par mes dimensions. Venez goûter. Bon, je sais pas si vous avez écouté le dialogue, hein.
En gros, il a dit, je t'ai vu griller prendre mon argent, donc maintenant, bah, t'es à moi pour toute la nuit, quoi. Et ta sœur aussi, bon, sauf qu'elle a pas de sœur, mais... C'est un homme, hein, Ron Borgia, c'est sûr. Tu danses bizarrement, toi. Hein. Je savais pas qu'on avait inventé la tectonique à cette époque-là. Hein. Mais attends, vous n'avez pas commencé, hein. Non. Putain. Ça, c'est pour être italien. Non, mais prends pas le cadavre, toi. Ouais, bon, c'est bon, je suis grillé. Ça, c'est fait. Ah, mais c'était juste pour taper le ménestrel, s'il fallait le faire, quand même. C'est... Quand même, ménestrel. Bon, je pense qu'en fait, vous avez compris que je fais exprès de perdre pour profiter au maximum de cette scène. Hein. Voilà. Elle est pas mal, elle. Bref. Par contre, la musique qu'on entend n'a aucun rapport. Je veux payer cette part et personne ne peut m'en empêcher. Oui. Allez, c'est à vous de jouer. Tu n'as pas l'air de comprendre, ma petite. Tout ce que tu veux. Quoi, quoi. Putain, mais il a un truc sur la tête. Il a l'air tellement con, lui, avec son truc sur la tête. Je dirais qu'ils ont tous l'air cons. Regarde, ces gardes, ridicule. J'entends deux musiques en même temps, c'est bizarre. Enfin, deux musiques du jeu plus la musique qui se déroule avec les musiciens. Là. C'est horrible. Mais de toute façon, j'ai trop des bugs de musique dans cette partie. Hein. Ah, laissez-moi passer là. Voilà. C'est vraiment, vraiment bizarre. Les gardes qui courent, mais si, c'est tout bugué ça. Voilà. Ok, alors attends, ça va pas se passer comme ça. Ça a marché ou pas les courtisanes? Donc j'allais me cacher là ici. Voilà. Parfait. Quelle meilleure façon de célébrer mes victoires que de tous nous unir dans la fraternité, mes amis. Oui, je vous annonce que bientôt, l'unité de l'Italie sera enfin une réalité. Alors, nous la célébrerons en festoyant pendant 40 jours et 40 nuits. Cominciamo ora! Il n'a jamais été question de conquérir l'Italie. Mais votre jeune et brillant capitaine général vous soutient le contraire. Pourquoi ne pas le laisser faire? Tu risquerais de bouleverser le fragile équilibre que nous avons eu tant de mal à instaurer. Je vous suis infiniment reconnaissant, mais en tant que chef des armées, c'est moi qui prends les décisions. Faites pas cette tête. Amusez-vous. Donc là, on a vraiment eu la preuve que bah, Rodrigo Borgia, même si c'est un Templier, lui, c'est vraiment le Templier bah, qui veut la paix, bon, par la soumission, certes, mais qui veut la paix. Alors que César Borgia, et bah, c'est un fou hargneux et il veut conquérir toute l'Italie et son père le refuse. Et c'est vrai que Rodrigo Borgia a compris qu'il ne fallait plus mesurer aux assassins. Attends, il a fait quoi? Il a tué la fille, là? Il a allongé par terre. J'ai pas compris ce qu'il a fait. Regardez Rodrigo tout au bout, là. Ouais, pas Rodrigo, Juan, je veux dire. Bon, bref. On va aller assassiner, parce que c'est la mission principale. Il faut aller l'assassiner. Donc voilà, allez, on va passer par là. Il s'enfuit quoi? Mais j'allais tranquillement vers les courtisanes, là. Bon, j'étais pas invité à la fête, d'accord. Enfin bon, ce qui est bien, c'est qu'en un épisode, j'aurais fait... une mission. C'est sympa, ça. Bon, alors, on va être vite dans ce groupe. Bon, c'est vrai qu'à un moment donné, je passais par là-bas, mais moi, je voudrais essayer de passer par avant, passer par là. Il va sans doute falloir que je m'assoie sur le banc. Descends, mais je suis pas sur un toit. Bon, mais je peux pas verrouiller les courtisanes, donc je peux pas leur demander de venir. Donc, faut attendre le poison, je sais pas si c'est une bonne idée. Le poison, enfin, on peut tester, mais en général, j'ai vu par le passé dans Assassin's Creed 2 déjà que ça m'avait joué des tours. Mais par contre, là, c'est typiquement un genre de mission, voilà, ça peut être intéressant d'empoisonner les gardes.
problème c'est que lui il veut pas bouger. Donc je sais pas comment faire. Sauf si le banquier vient carrément jusqu'ici, parce que je vous rappelle que la secours totale c'est de le tuer depuis un banc. Mais normalement c'est ce banc, c'est un banc qui est en face de moi en fait. Il y a déjà un poids partout. Bon bah d'ici on va pouvoir mater un petit peu les gonzesses. Voilà. Les animations là. Toi t'es débile toi. Bon allez. On y va vite. Vite recruter. Oui. Alors attends. Il faut que je reste dedans. Alors. Poison. Mais. Voilà, bah ça y est, mon grillé parce que les courtisanes, bah ne me cachez plus, voilà, c'est comme ça. Bon, je vais essayer de faire mon truc classique comme j'avais fait l'autre fois. Non mais c'est idiot parce que c'est une des missions que j'avais préférée dans Bros The Road, pas pour les filles, hein, mais pour le gameplay, le level design. J'ai vraiment beaucoup aimé cette. Tout ce qu'on peut faire là. Oh, t'es joli toi ou pas? Allez, dépêche, je veux te voir. Voilà. Allez, pas mal. Vas-y, enlève ta fourrure. Je vais passer pour un gros pervers. Je m'en fous, ça marche sur YouTube. C'est pas mal en général. Donc voilà, donc ici on ne voit pas. Mais c'est ce que j'ai toujours fait. C'est super simple de faire ça, mais je voulais faire plus intéressant, vous voyez. Parce que là, il n'y a pas de garde de ce côté-là. Donc c'est vraiment trop simple. Voilà. Et là, j'ai plus qu'à aller sur le banc qui est là. Je vais sur ce banc-là, et à la limite, après, je vais sur le prochain banc. Voilà, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Mais bon, j'ai voulu un peu plus de challenge, j'aurais pensé qu'on pouvait faire tout le tour. Mais là, je vois les gens derrière, c'est pas intéressant. Ah si, c'est bon. Bon bah, on va regarder la vue en attendant que le banquier revienne. Bon, le banquier sera mort, mais au moins, il sera mort dans de bonnes conditions, disons, voilà. Viens ici, c'est ta fête. Oh, regarde toute sa graisse. Ah! Toutes les beautés que j'ai vues, senties et touchées, je ne regrette aucun des moments que j'ai vécu. Un homme de pouvoir doit savoir se détourner des plaisirs futiles. Mais j'ai donné au peuple ce qu'il réclamait. Et maintenant tu en paies le prix. Nul ne peut jouir éternellement de plaisirs qu'il n'a pas mérités. Requiescat in pace. Allez, double assassinat sur le banquier, j'ai tué une deuxième fois. Et on s'enfuit en se brûlant sur un petit truc. Donc voilà, donc c'est marrant le double assassinat que j'ai fait en fait. Je vais être anonyme, c'est bon, t'inquiète, je vais être anonyme. Très vite. Ils sont trop nuls de toute façon. Ah, il y avait un trésor. On va pas s'arrêter pour un petit trésor. Voilà, donc cette mémoire est terminée. Et donc à partir de maintenant, on m'attend au repère des Tibérines, donc je vais y revenir. Enfin, les courtisanes m'attendent, je crois bien. En tout cas, on va les remercier, déjà ils ont pris l'argent et tout. Je vais à la mémoire suivante. Bon, c'est vrai que l'assassinat de ce banquier, c'était un peu un prétexte, entre guillemets. Désolé, vous m'énerviez. Ouais, une petite volée de flèche dans votre figure. Ouf. C'est vrai que là j'étais laborieux, mais au moins j'ai réussi à avoir la synchro totale, au moins. De toute façon, elle est simple à avoir celle-là. Enfin, c'est limite, c'est une question de bon sens. Si on voit la synchro totale, faut se mettre sur le banc et le tuer sur le banc. En plus, comme ça, on peut voir Ezio l'enlacer, enlacer son gros joli corps plein de graisse. Ah ! Bon, maintenant, on va à la rose fleurie. Ouais, super. C'est-à-dire que. Avant. On courait, on poussait tout le monde, mais là maintenant ça fait. On perd plus de temps à appuyer sur rond que à courir normalement en fait. Sauf que quand on tombe. Là j'appuie sur rond, mais Ezio, mais il tombe quand il pousse les gens. J'ai fait peur aux gardes. Hein. Billet doux. Les filles de Claude ont envoyé l'argent du banquier, mais il se passe quelque chose à Rosferry. En fait, on nous dit qu'il se passe parce qu'on nous spoil le truc, mais ça va être assez marrant. Où sont Claudia et Maria? Nous sommes revenus avec l'argent. Ils nous ont suivis ici. Quoi? Je vois que ma petite sœur s'est jouée du couteau. Et je suis prête à recommencer.
Des paroles dignes d'une auditore. Il était temps que vous reveniez tous les deux à la raison. Il était temps. Je ne suis pas à revenir à la raison, c'est toi qui parlais pas depuis 30 ans, là. Laisse tomber. Bon, et puis il y avait encore une cinématique, là, mais bon, la cinématique, séquence est terminée. Ils sont marrants, hein. La petite Claudia, là, avec un couteau, a tué 4 soldats des Borgia en armure, avec chacun une épée. Laissez-moi rire. Donc voilà, ça aurait été trop triste, évidemment, qu'elle meure, forcément, fallait la faire... en mode déjà maître assassine, donc voilà, elle a tué tout le monde. Le baron de Valois. Eh oui, c'est ce baron français, le méchant, celui qui embête Bartolomeo d'Alviano. C'est de lui qu'on va s'occuper dans cette séquence. Mais pas dans pendant la prochaine vidéo qui va suivre, je voudrais vraiment m'occuper de la dernière machine de guerre. Alors ici, il y a un petit trésor. Hop là. On est toujours sur l'île Tibérine, est-ce qu'on se resynchronise? Alors il y a sans doute des choses à faire avec Desmond. Bah, je vais les faire maintenant pour éviter que ce soit en début d'épisode la prochaine fois. C'est quasiment sûr qu'il y a des choses à faire en dehors de la muse, donc j'y vais maintenant. Comme ça, ça fera une conclusion à l'épisode, et surtout que parfois c'est vrai que c'est assez long quand même, hein, avec Desmond. On fait une pause. Bon, cette fois-ci, je pense que j'ai plus rien à faire dehors, donc je vais juste parler avec l'équipe là. Desmond, je dois me concentrer sur mon travail. Ok, lui il a pas envie de nous parler, non. Méchant. Bon, je vais aller voir les mails. Je vais voir si on a reçu des mails. On n'en a pas reçu, non. Bon, Lucie. Est-ce qu'elle a reçu des mails? Un citron pressé. Ok, l'urgence, ça va être une énigme de merde. Alors, envoyez. Non, et dans les supprimés, est-ce qu'il y a supprimé des trucs intéressants? Non, on dirait pas. Bon. Je sais pas, Sean, bah après, il n'y a plus rien d'intéressant. En fait, je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a rien dehors, là. Sean, il peut pas parler. Les mails, il n'y a aucun nouveau. Ah non, si, c'est ça, il parle de quoi? Alors, en fait, ça va être une grosse blague. Il a envoyé les fragments d'Eden avec un message, et en fait, c'était un citron. À mon avis, ça doit être une blague. Ouais, voilà. Ah oui, d'accord. Bon, donc, ouais, Rebecca, je vais même pas lire parce que ça va être le truc qu'elle envoie un message. Ouais, regardez, un citron pressé. Donc, non. Donc, ici, on retrouve tous les artefacts que j'ai ramenés. Donc, on peut voir bel et bien, on va très joliment à la ceinture d'Ezio en bas. À la ceinture d'Ezio que vous pouvez acheter sur le B-Workshop, hein, j'ai déjà dit. La cape des Médicis que l'on peut avoir dans le jeu en jouant au Project Legacy. L'épée de Mario. Et le coffre des plumes. Le coffre des plumes, et à côté, c'est le... Attendez, il a... Ouais, 1, 2, 3, 4, et puis à côté, c'est le registre de Claudia, en fait. Appuie sur une touche. Et on fait quoi, appuie sur une touche, il se passe rien, en fait. Voilà. Donc là, à mon avis, il doit dormir par terre dans ce machin, Desmond. Bon, et à Altair, on peut... Il n'y a plus rien à faire avec lui, je suppose, non? Bah, donc Sean est occupé. Il y a Rebecca qui est là. J'ai du boulot là. Et elle est occupée. Mais je pense que si on doit sortir, c'est qu'il y a un truc intéressant. Appuyez sur une touche. Criminel! Hypocrite! Tu sais que les plantes sécrètent des substances pour attirer les insectes prédateurs en cas d'attaque? Elles sont aussi criminelles que nous. T'es vraiment tordu comme mec. C'est aussi ce que me disait mon psy. Ok, vachement intéressant. On mange un sandwich et ça fait flipper les deux autres. Ils se mettent à parler d'un coup. Bon, là, il n'y a rien à faire, hein, à part... regarder qu'elle joue au multijoueur d'Assassin's Creed Brotherhood. toi, tu as toujours pas parlé, toi? Ce n'est pas trop le moment de bavarder. Bon, ok. Bon, bah, je vais voir où est Lucie, parce qu'elle n'est pas là. On se demande bien où elle est, hein. Allez, t'es où? On a que 10 minutes. Où t'es passé, Lucie? On va suivre les traces au cas où. Hein.
Non, sincèrement, je sais pas où elle est, Lucie, là, du tout. Non, je sais pas où elle est. Si quelqu'un peut me dire où elle est. Peut-être avec William M. Non, si quelqu'un sait où est Lucie pendant cette séquence, ça m'arrange, en fait. Parce que là, moi, je ne sais point où elle est. Et je trouve ça assez stressant, dis donc. Non, c'est vrai que moi, en fait, dans Brotherhood, je vous avais un truc, c'est que c'est parti avec Desmond. J'ai jamais tout exploré. Je sais pas s'il y a des trucs vraiment cachés à faire. Bon, s'il y avait des trucs flagrants, je pense que je l'aurais appris au fur et à mesure de toutes mes recherches sur la série. Mais j'avoue que parfois, j'ai pas... Les choses que je sais, mais je sais pas forcément comment comment on les sait. Parfois, ça peut être dans ces parties avec Desmond, en fait. C'était juste par plaisir. Bon, écoutez, la vidéo touche à sa fin. Je vais quand même rentrer dans l'animus pour finir. C'était au final pas un épisode très riche. J'ai fait qu'une mémoire, mais vraiment, je voudrais me garder. Enfin, voilà, tant pis. Hein, c'est comme j'ai beaucoup failé et que j'ai pas voulu vous passer à chaque fois que je ratais, parce que je suis nul, mais j'assume. Bah. Ça fait un épisode complet, et puis tant mieux si c'est pas trop long, ça me fait des temps d'upload énormes, les épisodes longs. De toute façon, vous êtes pas plein de la durée trop courte des vidéos, donc je pense que ça va, hein, même si ça fait 40 minutes, bon, ça devrait aller. Attends, mais j'ai vraiment plus rien à faire ici. Hein. Je visite, là. En plus, c'est n'importe quoi, parce que, ouais, normalement, ouais, tout est condamné, quoi, vraiment. Bon, ok, bon, bah, y a pas de Lucie, hein. On est bien d'accord. Et ça n'inquiète personne. Il n'y a pas encore un sandwich à manger là, je sais pas. L'autre sandwich peut-être? Si j'ai faim. Ah non, ça c'est pour pas la Rebecca ça. Non, j'ai pas le temps. Bon bah j'ai pas compris pourquoi ils nous ont fait sortir à part pour ce dialogue merdique. Ça se trouve c'était juste pour ça, ils nous ont fait sortir pour ça. À la limite pour constater l'absence de Lucie. Et maintenant je peux plus rentrer dans l'animus. Ah si. C'est quand tu veux. Elle a pas le temps, par contre là c'est quand je veux, ok, normal, bon, et ben à la prochaine.